Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch super facile à réaliser et qui va vous permettre de faire des XP en illimité pour monter vos niveaux et vous allez pouvoir même faire des manches en illimité. Alors pour réaliser ce glitch, vous avez juste à lancer une partie. Alors moi je vous conseille quand même de vous créer une classe au couteau. Comme ça, vous aurez un couteau pour cutter en illimité. Et après, bah, vous pouvez choisir une arme, par exemple, que vous voulez monter. Le camouflage pour essayer de débloquer le Dark Matter. Alors, je vous conseille aussi de prendre deux atouts. Donc, moi, je prends Masto, puis courir vite. Et ensuite, je vais dans le glitch. Mais je pense que c'est même pas nécessaire de le faire. Je pense qu'il y a moyen de faire des manches en illimité parce que vous allez prendre aucun de dégâts. Mais si vous allumez l'électricité, je vous conseille quand même de prendre Masto et Quick Revive. Au cas où contre le gaz toxique des chiens. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre au salon. Ensuite, vous allez juste avancer vers le mur, sauter et puis vous accroupir quand vous êtes sur le petit rebord. Vous décalez tout à gauche jusqu'à temps d'être dans un angle invisible. Donc vous allez être bloqué, vous ne pourrez plus aller vers la gauche. Et à ce moment-là, vous vous retournez et vous attendez de vous faire tuer par un zombie. Quand le zombie vous a tué, vous serez en PLS. Si vous êtes à plusieurs, bah, votre pote vous réanime. Vous, pendant qu'il vous réanime, vous maintenez rond et vous maintenez votre joystick vers l'arrière pour rentrer dans le mur. Et quand vous serez réanimé, logiquement, vous serez allongé et dans le mur. Alors, si vous êtes en solo, bah, vous vous réanimez avec carré et vous maintenez rond en même temps. Et vous allez en arrière pour bien vous enfoncer dans le mur. Ensuite, quand vous êtes réanimé, vous vous décalez tout à droite jusqu'à un moment où vous allez être bloqué. Donc, décalez-vous vers la droite, mais en allant vers l'arrière en même temps. À un moment donné, vous allez être bloqué comme s'il y avait un mur invisible. Et là, vous serez parfaitement placé dans le glitch. Ensuite, vous serez invincible contre les zombies, les chiens et les mégatons. Alors, le seul inconvénient de ce glitch, c'est que vous ne pouvez pas utiliser l'arme spéciale. Parce que quand vous utilisez l'arme spéciale, vous ne pouvez pas vous allonger. Et le deuxième petit inconvénient de ce glitch, c'est que vous ne pouvez pas vraiment viser où vous voulez. Vous allez pouvoir viser un peu plus à gauche, un peu plus à droite pour essayer de viser la tête et débloquer vos camouflages, mais vous allez être limité dans votre champ de vision. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser des grenades leurre et lancer la grenade un peu plus devant vous pour pouvoir viser la tête des zombies si jamais vous voulez faire le camouflage. Mais sinon, si vous voulez faire des manches en illimité, ben vous utilisez le coup de cut en illimité en regardant vers le bas. Et là, vous allez passer des manches en illimité et faire des XP en illimité. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez récupérer tous les matériaux qui tombent par terre, les accessoires, les bonus, ils spawnent directement sur vous. Donc, franchement, ce glitch est assez sympathique et très facile à réaliser. Alors, pour ceux qui ont un Cronus Max Pro, je vous mettrai en description un script que j'ai créé pour faire des coups de cut en illimité et d'activer votre spécialiste en illimité. Comme ça, vous avez juste à prendre le script, le mettre sur votre clé Cronus Pro et ensuite appuyer sur gauche pour activer le script. Alors très important, il faudra que vous mettiez votre paramètre de manette en tactique pour que le coup de cut soit sur le rond et pas sur le R3. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.